Hello, bonjour la team, comment allez-vous? Vous allez bien, je l'espère. Alors, dans cette vidéo, comme promis, on se retrouve pour vous montrer comment piloter un drone. Voilà, la fois dernière, je vous ai fait une démonstration et le déballage de mon tout premier drone. Voilà. Donc, je vous avais promis de faire une vidéo où j'allais vous expliquer comment le piloter. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toutes les autres drones. Mais je vais vous expliquer comment je pilote ce drone-là. Je pense tout de même que ça doit être à peu près la même chose chez tous les drones. Sauf que celui-là, il est un peu plus compliqué. Et à vrai dire, j'arrive à le contrôler, mais il y a dans certains cas, je n'arrive pas du tout. Parce que il y a certains trucs, il y a tellement de trucs à prendre en compte pour pouvoir le piloter. Donc ça m'embrouille souvent. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comment on pilote ce drone-là? Donc, nous avons ici, voilà, la manette. Voilà, je rappelle, mon drone, c'est un Propel Maximum X12. Voilà, Propel Maximum X12. Donc, en fait, la télécommande, elle est un peu comme ça. Voilà, il y a plusieurs boutons. Chaque bouton a un rôle respectif. Voilà, comme vous le devinez. Donc, on va commencer par ce qu'il y a à l'arrière, je dirais. Donc on a ici speed. Voilà, ce bouton il permet en quelque sorte de d'augmenter la vitesse du drone, c'est-à-dire la maniabilité. Voilà, ça permet de passer à une vitesse supérieure. Et là nous avons start auto land. Voilà, ça permet de mettre en marche le drone ou de le faire atterrir. Donc par exemple, si on veut mettre la télécommande en marche, mais pardon, faire décoller le drone, on appuie sur ce bouton là, le drone va se mettre en marche. Et voilà, pour aussi le et disons faire atterrir le drone, c'est sur ce même bouton là on appuie. Et là nous avons la caméra. Voilà, donc comme vous le devinez, ça permet de prendre des photos. Ouais, puisque le drone est équipé d'une caméra. Voilà, juste là. Mais malheureusement, cette caméra-là, on ne peut pas la pivoter dans l'angle qu'on veut. Elle est stable, elle est fixe. Voilà, elle est fixée au drone. Donc, du coup, on ne peut pas avoir des photos ou des images avec un meilleur angle. Donc, comment ça fonctionne? Par exemple, si on veut prendre une photo, il suffit d'appuyer une seule fois sur ce bouton-là. On va attendre un bip sonore. Voilà, et ça montre que la photo a été prise. Et si on veut prendre une vidéo, on appuie dessus pendant longtemps. Et il y aura sur un autre bip sonore. Ça montre également que le drone est en train de filmer. Voilà. Donc, maintenant, le dernier bouton à l'extrême droite, c'est écrit Stun. Bah, en fait, ce bouton-là, il permet de faire des tonneaux avec le drone, des acrobaties, gauche, droite, avant, arrière. Ça permet de faire des tonneaux. Voilà, avec le drone. Mais cette fonctionnalité n'est possible que lorsqu'on passe à la vitesse maximale du drone. Puisque si et plus si le drone il est à sa vitesse de début, il peut pas faire les tonneaux, il n'y a pas assez de puissance pour le faire. Donc il faut mettre jusqu'à la dernière vitesse pour pouvoir faire effectuer des tonneaux, des saltos avec le drone. Voilà en gros comment fonctionne le rôle des boutons de là-haut. Maintenant, les boutons d'en face. Donc, la manette de droite, voilà, elle permet. Bon, je vais commencer par celle de gauche. Voilà. Donc, pour la manette de gauche, elle permet d'aller vers là-haut, faire monter le drone vers le haut. Et pour le faire descendre, on tire vers le bas. Voilà. Donc, on décolle, on descend. Et si on tourne sur ce côté-là, ça permet de pivoter le drone. C'est-à-dire le drone est là. Ça va faire pivoter le drone comme cela. Et si on fait vice-versa, ça le permet de pivoter comme cela. Et du coup, c'est un peu compliqué puisqu'on se retrouve, on ne sait plus quel est l'avant et l'arrière du drone. Normalement, l'avant du drone, c'est comme ça. C'est là. Et l'arrière, c'est ici. Donc, par exemple, dans la manipulation, si vous appuyez comme cela, le drone va faire un tour comme cela. Et du coup, ça change carrément la configuration. Et si vous n'êtes pas et bien, vous ne savez pas bien vous orienter, en voulant pousser comme ça, vous allez penser que le drone va aller comme cela. Or, le drone, il va aller cette fois-ci dans ce sens-là.
Et c'est pareil, si vous le mettez sur ce côté, donc ça change vraiment les paramètres quand vous touchez ce bouton-là. C'est ça qui rend vraiment le pilotage du drone très compliqué. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, le drone va foncer droit dans le mur ou pied sur un arbre ou autre, je ne sais pas quoi. Vous pouvez perdre facilement le drone si vous ne maîtrisez pas cette configuration-là. Donc, moi-même perso, j'évite au maximum de toucher celui-là. Parce que effectivement, lorsque le drone est en l'air, si on ne définit pas très bien quel est l'avant et l'arrière, on perd facilement le drone. Parce que quand le drone est positionné comme ça, pour le faire aller vers l'avant, il suffit simplement de pousser. Voilà, le drone avance. Et lorsqu'on fait ça, le drone recule. Lorsqu'on va comme ça, le drone va comme ça. Et lorsqu'on va là, le drone va ceci. Maintenant, si nous pivotons le drone dans ce sens-là, voilà, ça veut dire que l'avant est cette fois-ci ici. Donc, ce qui veut dire que si nous truc ici, le drone va aller dans ce sens. Et vous voyez, ça change carrément la configuration. Et vice-versa, si nous faisons pivoter le drone comme cela, comme cela. Donc, c'est très, très important de maîtriser, voilà, de ce côté-là. Il faut faire très attention. Et moi, perso, je ne le maîtrise pas encore. Ça fait maintenant une semaine, presque une semaine, je l'ai, mais j'évite au maximum de le toucher parce que je ne maîtrise pas assez. J'ai failli même perdre le drone comme cela en touchant ce bouton. Parce que j'ai fait tourner le drone et quand j'ai poussé, ça allait dans un sens dans lequel je ne voulais pas. Et j'ai failli perdre le drone. Heureusement, par chance, j'ai pu le faire descendre sans problème. Donc, voilà. Donc, en gros, voilà à quoi servent ces manettes-là. Eh bien, ici, c'est le bouton d'allumage. Voilà. On, off. Voilà. Et ces quatre boutons-là, en fait, c'est des boutons qui permettent de régler l'équilibrage. C'est-à-dire, quand on met en marche le drone comme cela, normalement, le drone doit s'élever vers le haut et rester stable. Tant qu'on ne touche pas la manette, le drone doit rester stable, il ne doit pas bouger. Donc, c'est lorsqu'on va bouger que le drone va avancer au truc. Donc, souvent, il arrive que le drone, quand on le met en marche, il fonce droit dans une direction. À ce moment-là, ces boutons-là permettent de régler ça. Ça permet de rééquilibrer ça, vraiment de permettre de suspendre le drone entre le sol pardon, entre le ciel et la terre. Voilà, c'est suspendu en fait, quoi. C'est équilibré. Donc, voilà. Donc, nous avons fait une tour voilà, de comment on peut le piloter. Donc, ça, c'était de manière théorique. Maintenant, de manière pratique, je vais vous montrer comment. Donc, je vais me diriger dans un espace un peu plus aéré. On va faire de manière pratique pour vous montrer. Donc, ça y est, nous y sommes. Voilà, je vais d'abord commencer par insérer la pile. Voilà. Donc, je le dispose correctement. Donc, voilà, le drone il est disposé. Donc, il faut savoir que je l'ai placé de telle sorte que l'avant du drone soit là. Et l'arrière du drone est ici. Nous allumons la télécommande. Voilà. Maintenant, voilà, le drone est connecté. On le sait parce qu'il y a suivi ce bip sonore là. Et maintenant, pour préparer le démarrage, voilà, il y a une certaine configuration qu'on doit faire. Voilà, qui est propre à la télécommande. Ça dit, on fait cela. Avant, arrière, et c'est OK. Donc maintenant, pour démarrer le drone, il va suffire simplement que nous appuyions sur le bouton Start. Voilà, qui est juste là. Donc, on voit cela. On appuie. Voilà. Maintenant, comme vous le constatez, le drone n'est pas tellement aussi stable parce que justement, le vent a un certain impact sur lui. Donc, il bouge dans tous les sens. C'est pour cela que je suis obligé de le maintenir équilibré avec la télécommande. Pour monter. Pour monter. Pour descendre. Avant. Arrière. Gauche, droite, montée,
descendre. Je vais pivoter. Oups. Je vais ajouter de vitesse. Deuxième, troisième. Vous allez voir. Donc là, on peut effectuer des tonneaux. Donc je vais faire un semi-tonneau. Voilà. J'appuie simplement sur le dessin, simplement sur ce bouton. Voilà. Donc, j'appuie. Et la configuration dont je vous parlais, voilà, je vais le faire pivoter. Et comme je vous ai dit, c'est pas si évident. Ce bouton, il faut éviter de le toucher si vous n'êtes pas pro. Donc vous avez vu, j'ai failli bousiller le drone tout de suite. Donc ça prend très 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 attention, parce que dès lors qu'on perd le sens d'orientation, ça devient compliqué puisque tout s'embrouille maintenant. Il faut vraiment être extrêmement précis sur l'orientation en fait. Donc vous voyez, donc à ne pas toucher. Donc c'est reparti.